Salut à tous les Price Actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bienvenue sur notre Market Open. Donc là sur le DAX. Alors en journalier, toujours dans notre range. Ici, la zone des 10 400 constitue une zone acheteuse, bien évidemment. Attention, donc sur close bullish aujourd'hui, il y aurait un achat au-dessus de cette bullish, il n'y a pas de problème pour aller rechercher le top de range. Sur break de ce petit range, on pourrait être très fortement aspiré vers cette bull TL ici. Donc là, autant dire qu'on est dans une zone critique. Le marché nous le rend bien puisqu'il nous crée une zone de ranging toujours en une heure. Voilà, maintenant attention, on a un beau double bottom ici, on commence à le valider, on a un break du petit canal ici avec un gap, donc ça peut être très sympa, va falloir sortir ses armes en unité de temps inférieure et ça peut être pas mal, attention, mais va falloir vraiment attendre sur signaux, pas d'anticipation pour UTF aujourd'hui. Et en termes de 5 minutes, voilà, on fait une extraction bilatérale de cette zone de canal et de range. Donc là, du coup, on reprend un peu de vigueur, surtout que la moyenne mobile 20, là, elle cabre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on est sur, ici, comme vous pouvez le constater, sur la 1 heure. On commence à frapper la 1 heure. Donc là, c'est une zone dessous, short, au-dessus. Acheteur, c'est-à-dire 445 et 424, on fait un petit range. Voilà, ça c'est le plan de trading 5 minutes. 1 heure, c'est toujours ranging. On va attendre une autre bullish quand même de confirmation en 1 heure. Ceci dit, on ouvre sur un petit gap, bon, au sein d'un trading range haussier. Néanmoins, ça reste toujours un minimum haussier. Sur le 5 minutes. Voilà, on va voir ça pour aujourd'hui. Rien d'autre à faire si ce n'est de l'intraday pour l'instant. Et je pense que aujourd'hui ou demain, on aura pourquoi pas une petite réponse par rapport à notre range daily et 1 heure. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure pour la market close.